Francesco et je suis guitariste au sein de la formation Galardo. Dans mon groupe, on fait des chansons en français parce que c'est ma langue maternelle et sans me poser trop de questions, c'est comme ça que je vais composer. C'est une langue qui est très riche, c'est une langue où on peut se permettre des finettes, des hautes voltiges. Après mes études, je me suis rendu compte que j'étais toujours un amoureux de la chanson et que la façon la plus logique pour moi de faire de la chanson, c'était de la faire en français. La plupart des francophones que je connais sont assez attachés à leur langue pour être des fans probablement beaucoup plus fervents de la musique. Donc c'est quelque chose qui était naturel pour nous, pour moi et le groupe Galardo. Dans le projet Galardo, il y a trois auteurs qui vont travailler sur les textes. Les deux guitaristes chanteurs, moi Maxime Rasco et Jérôme Fortin, le guitariste chanteur et principal auteur-compositeur. On a fait la connaissance d'un type qui s'appelle Dominique Nadeau, qui est un auteur. Et il y a des textes qui nous ont vraiment foudroyés. Galardo, c'est pour l'amateur de folk, évidemment, mais c'est surtout, mais c'est en fait pour un amateur de la langue française à tous ses niveaux. Que ce soit un langage plus familier ou un français beaucoup plus évolué, je dirais, avec les textes de Dominique. Les petits jobs, le drive-in, partir étudier pour un bout de papier. La grosse job, le crédit, le chèque chaque jeudi.